Car quand on se lance sur YouTube, il faut savoir précisément ce qu'on fait. Et si vous me sortez que vous êtes sur YouTube pour l'argent ou pour la gloire, retournez tout de suite vous coucher. Ça sert à rien, en tout cas plus aujourd'hui. Je vais vous donner mon exemple pour que vous puissiez un peu cerner comment j'ai vu les choses en arrivant. À la base, j'étais rédacteur pour un site qui se nommait L'Artinaute. Et à ce moment-là, je faisais l'équivalent de ce que je fais en vidéo aujourd'hui, mais avec un clavier d'ordinateur et des articles à l'appel. Cela me prenait encore plus de temps qu'avec les vidéos, mais ça me passionnait. Et en voyant Durandal ou Le Fossoyeur laisser de côté certains films, je me suis simplement dit qu'il manquait quelque chose sur YouTube. Quelqu'un qui parle de vraiment tout, ou en tout cas qui essayerait, et c'est là que j'ai choisi de me lancer dans cette aventure et que j'ai commencé à développer ma chaîne petit à petit. C'est la décision qui doit motiver la base de votre chaîne et qui va certainement motiver tout ce que vous offrirez à l'avenir sur YouTube. Le but n'est pas d'entrer en concurrence avec d'autres YouTubeurs, le but n'est pas de se créer une communauté qui ira répandre une opinion qui ne vous représente pas. Le but est avant tout de créer quelque chose qui vous ressemble et donc, comme dirait Rocky, de se battre pour vous et non pour les autres. Une décision difficile, mais somme toute extrêmement importante. Une décision qui va alors forger une vision, celle qui vous représentera, celle d'un YouTuber qui a pris une direction, qui a choisi de s'y tenir et qui, malgré les avis divergents ou les regards réprobateurs, choisira de s'y tenir. Et alors voici la question cruciale pour terminer votre arrivée sur YouTube. Où est la place pour la créativité ?